Notre pétrole sera extrait en 2025 comme prévu, le peuple ne doit donc pas s'inquiéter. Ce sont par ces mots que le président ougandais Yoweri Museveni a tenté de rassurer son peuple et les investisseurs français et chinois impliqués dans le projet EACOP d'exploitation pétrolière. Dans une résolution non contraignante du 15 septembre, le Parlement européen a épinglé des violations des droits de l'homme, des risques environnementaux et climatiques. L'Ouganda et la Tanzanie ont dénoncé une attitude néocoloniale et ont exigé le respect de leur souveraineté. C'est en février que Total Energy a annoncé un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et le géant pétrolier chinois CNOOC pour la construction d'un oléoduc de plus de 1400 km reliant les gisements du lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda à la côte tanzanienne. Estimant que plus de 100 000 personnes risquaient d'être déplacées sur le tracé de l'oléoduc, les eurodéputés ont réclamé un dispositif de compensation adéquat pour les personnes expropriées. En outre, le Parlement européen a demandé au groupe français de retarder d'un an le projet afin d'étudier la faisabilité d'un autre itinéraire permettant de mieux préserver les écosystèmes protégés et sensibles ainsi que les ressources en eau de l'Ouganda et de la Tanzanie.